Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous explique ce qu'est la formule du binôme de Newton, à quoi elle sert et comment très concrètement l'utiliser dans les exercices. Alors, cette formule du binôme de Newton, je vous l'ai écrite ici. Alors, dans un premier temps, ça peut faire un peu peur, mais rassurez-vous, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a absolument rien à mémoriser. Première chose à comprendre, à quoi sert cette formule Eh bien, elle va nous servir à développer des expressions du type, donc z plus z' à la puissance n. Z et z', ce sont des nombres complexes, ça peut être bien entendu donc également des nombres réels. Et n ici, c'est tout simplement un entier naturel, ici on vous dit n supérieur à 1. Et du coup, on peut faire une première remarque. Cette formule du binôme de Newton, vous la connaissez lorsque n est égal à 2. Et oui, lorsque vous utilisez a plus b. Au carré cette identité remarquable et que vous écrivez que c'est a carré plus 2ab plus b au carré et eh bien vous utilisez sans le savoir la formule du binôme de newton. Simplement cette formule elle est beaucoup plus générale elle permet de développer a plus b au cube a plus b puissance 4 et donc de manière plus générale z plus z prime à la puissance n. Regardons tout de suite le principe et comment on retrouve le développement donc de a plus b au cube. La première chose à faire on va commencer par écrire a au cube et ensuite pour avoir les termes suivants on va diminuer les puissances de a et on va augmenter celle de b donc le terme suivant je vais avoir du a carré et je vais avoir un b pourquoi parce qu'ici on pouvait considérer que on n'avait pas de b ou plus exactement on avait un b à la puissance 0 qui est égal à 1 et donc on augmente la puissance de b donc le premier terme c'est a au cube ensuite on a a carré la puissance de a diminue et celle de b augmente et vous l'avez compris le suivant la puissance de a va encore diminuer on va avoir du a puissance 1 ça va être a hein, c'est pareil et celle de b augmente on va avoir du b au carré et le dernier terme et bien on va retrouver du a puissance 0 mais le a puissance 0 ça va faire 1 et la puissance de b va encore augmenter et on va obtenir du b au cube donc voilà pour la première étape on écrit les puissances de a en diminuant et celle de b qui augmente, et on peut remarquer que pour a plus b au carré, ça marchait déjà. On avait du a carré, ensuite on avait du a, du a puissance 0, et les puissances de b augmentaient. Là, on n'avait pas de b, b à la puissance 1, b au carré. Mais c'est pas fini parce que devant, il va falloir maintenant rajouter des coefficients. Alors, comment obtenir ces coefficients Eh bien, pour cela, on va utiliser le triangle de Pascal. Donc, je vous remontre rapidement comment le retrouver, ce triangle de Pascal. On va commencer par écrire une colonne avec que des 1. Je vais en faire quelques-uns ici. Et ensuite, pour retrouver un coefficient dans le triangle de Pascal, eh bien, il suffit d'additionner le nombre qui est juste au-dessus avec celui qui est à sa gauche ici. Donc là, on va faire 1, il n'y a rien, donc on va considérer que c'est 0. 1 plus 0, eh bien, ça nous donne 1. Si je veux ce nombre-là, eh du coup, je vais faire 1 plus 1, et ça va me donner 2. Si je veux ce nombre-là, je vais faire 1 plus 0, et ça me donne 1. Et je vais continuer ici mon triangle. Donc pour ce nombre-là, 1 plus 2 ça me donne 3, 2 plus 1, ça me donne 3, 1 plus 0, ça me donne 1, allez on fait encore une ligne, 1 plus 3, ça fait 4, 3 et 3, ça fait 6, 3 et 1, ça fait 4, et 1 et 0, ça fait 1. Et bien maintenant, regardez, quels étaient les coefficients pour a plus b au carré Les coefficients, c'était 1, j'avais une fois a carré, 2 et 1. Et bien c'est ces coefficients qu'on retrouve sur cette ligne-là. Donc sur cette ligne, ça correspond à n égale 2 avec n ici, ma puissance. Et bien pour n égale 3, donc pour a plus b au cube, on va récupérer les coefficients qui sont sur cette ligne. Donc on aura une fois a au cube, on aura ensuite trois fois a carré b, trois fois de nouveau a fois b carré, et enfin une fois b au cube. Il ne nous reste plus qu'à arranger un petit peu tout ça. Donc le b puissance 0, tout ça, je l'enlève. Les fois 1, c'est pas utile. Le a à la puissance 1, c'est pas utile. Et donc le 1 ici et le a puissance 0 non plus. Et donc voilà, a plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Bien, pour voir si vous avez bien compris maintenant, je vous invite à faire pause, essayer de retrouver la formule pour a plus b à la puissance 4. Et on se retrouve tout de suite après pour corriger. Allez, c'est parti, on corrige, donc on part comme tout à l'heure, donc de a à la puissance 4, ensuite le terme suivant, on aura du a au cube et on aura du b, b puissance 1, je ne vais pas le noter, on continue, on va avoir du a carré, b carré, on augmente la puissance de b, on diminue celle de a, ensuite on va avoir du a, b cube et enfin du b à la puissance 4. Et on n'oublie pas de mettre ensuite les coefficients, les coefficients ils sont donc sur la ligne suivante de mon triangle. De Pascal, donc là je vais avoir le 1, je ne vais pas le noter, là j'aurai un 4, là j'aurai un 6, j'aurai aussi un 4, et là j'aurai un 1, je ne vais pas le noter. Et donc voilà, pour a plus b, à la puissance 4, c'est aussi simple que ça, la formule du binôme de Newton. Et donc évidemment, on pourrait faire la même chose pour a plus b puissance 5, a plus b puissance 6, etc. Alors avant de faire un exemple très concret avec des valeurs précises pour a et b en prenant des nombres complexe, eh bien, retournons un petit peu sur la propriété ici qui est encadrée, la formule générale du binôme de Newton. En fait, on l'avait dit, au premier regard, elle fait un petit peu peur, cette formule, mais simplement, elle exprime les idées qu'on a données juste avant. Regardez, Z plus Z' à la puissance N. Vous voyez qu'on part de Z à la puissance N. Et si on se fixe juste sur Z, regardez, le terme suivant, la puissance de Z diminue. Le terme d'après, encore elle diminue, elle ne fait que diminuer jusqu'à arriver ici avant dernier terme à z puissance 1, et là il n'y a plus de z. Et pour z prime, c'est le contraire. Au début on n'a pas de z prime, après on a un z prime à la puissance 1 tout seul, un z prime au carré, et donc les puissances de z prime augmentent jusqu'à z prime à la puissance n. Et puis devant chacun des termes, il y a des coefficients, donc Z puissance n, il y en a 1. Z prime à la puissance n, il y en a 1 également. Et après, on retrouve nos fameux coefficients binomiaux. Mais ces coefficients binomiaux, ce sont exactement ceux donnés par le triangle de Pascal. Je vous rappelle que dans le triangle de Pascal, la première colonne, c'est pour k égale 0. La deuxième colonne, c'est pour k égale 1, etc. Donc si, par exemple, je m'intéresse à ce coefficient ici, eh bien, ce coefficient-là, c'est 1, parmi 4. Le coefficient suivant c'est donc 2 parmi 4 et ainsi de suite. Et donc quand j'ai écrit dans a plus b puissance 4 les coefficients à la 4, 6 et 4, j'ai bien écrit les coefficients de ma formule, hein. j'ai bien écrit ici le 1 parmi 4, le 2 parmi 4, le 3 parmi Parmi 4. Donc ici, vous voyez que cette formule générale, elle n'est pas à mémoriser, mais elle exprime tout simplement de façon générale que pour développer z plus z' à la puissance n, on fait diminuer les puissances de z, on fait augmenter les puissances de z', et devant, eh bien, on va mettre des coefficients, les coefficients binomiaux de la ligne correspondante dans le triangle de Pascal. Bien, avant de passer à notre exemple, une petite remarque sur la dernière ligne du cadre. En mathématiques, lorsqu'on a une somme avec des pointillés ici, on n'aime pas trop ça, on préfère être parfaitement rigoureux, et pour ça, on va utiliser le symbole qui est ici, le symbole sigma. Donc ce symbole, il indique qu'on va faire une somme, la somme des termes qui sont écrits juste après, donc on va additionner tous ces termes-là, et vous voyez qu'ici, dans ces termes, il y a une variable et eh bien on vous indique que cette variable k, on va la prendre de 0 jusqu'à n. Donc on va faire varier k de 0 à n, en allant donc de 1 en 1, et on va additionner à chaque fois les nombres qui sont ici. Donc si on part de k égale 0, on remplace k par 0 dans la formule, donc ça va faire ici 0 parmi n, alors 0 parmi n ça fait toujours 1, je vais l'écrire, mais on va l'effacer ensuite, z à la puissance donc n 0, ben ça fait z, puissance n, et z prime à la puissance 0, ça fait 1. Donc on retrouve ici, je ne vais pas mettre le 1, z puissance n, c'est notre premier terme. On écrit ensuite plus et on passe à la valeur de k suivante, c'est-à-dire k égale 1. Et donc on remplace à chaque fois tous les k ici par 1. Et donc on va obtenir 1 parmi n, z à la puissance n-1 fois z prime à la puissance 1. Donc je vais juste écrire z', et vous remarquez qu'on retrouve ici notre. Deuxième terme. Et ensuite on continue. Plus et on passe à k égale 2. Et pour k égale 2, vous l'avez compris, on va récupérer le terme suivant. Et ensuite, on va faire k égale 3 et on aura le terme suivant. Etc. Jusqu'à retrouver donc le dernier terme pour k qui prendra la valeur n. Allez, comme promis, pour terminer cette vidéo, on va faire un exemple très concret. On va développer 2 moins i. À la puissance 4, donc pour développer 2 moins i à la puissance 4, eh bien on va utiliser la formule du binôme de Newton avec a plus b à la puissance 4. Bien entendu, ici notre a c'est le 2, mais on fait attention ici on a un plus, et 2 moins i c'est comme 2 plus moins i, donc le b ici ça va être moins i. Dans un premier temps, ensuite je vous conseille de réécrire l'identité pour a plus b à la puissance 4. Encore une fois, il ne s'agit pas de mémoriser cette formule, il s'agit de comprendre les deux principes, hein, comment on retrouve la formule. On sait qu'on va avoir des puissances de A qui vont diminuer, des puissances de B qui vont augmenter, et pour retrouver devant les coefficients, eh bien, on utilise, comme on l'a vu, le triangle de Pascal. Donc là, on a retrouvé ici notre identité a plus b puissance 4. On remplace ensuite donc, les a par 2, les b par moins i et je vais tout écrire dans un premier temps avec l'habitude vous pourrez évidemment sauter des étapes et aller un peu plus vite. Donc pour gagner du temps, j'ai tout recopié et on passe au calcul 2 puissance 4 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16. Ensuite, regardez, lorsque B il y a un moins dans le B. Eh bien, on peut prendre un petit peu d'avance. Qu'est-ce qui va se passer Lorsque vous allez avoir des puissances de B qui sont paires, comme dans B au carré, ou dans B puissance 4, eh bien, le moins ici, vous n'avez pas à vous en soucier. Moins 1 au carré, ça va faire 1, et moins 1 puissance 4, ça fait aussi 1. En revanche, lorsque vous avez des puissances de B impaires, comme dans B, ou dans B au cube, eh bien, le moins, vous pouvez tout de suite le sortir ici, devant. Donc, on peut gagner un petit peu de temps en écrivant les choses ainsi. Et donc on passe maintenant à 4 fois 2 au cube, donc 2 au cube, 8. 4 fois 8, 32. Donc ça va faire en tout moins 32i. Le terme suivant, donc 2 au carré, 4. Hein, C'est évidemment les carrés qui ont la priorité. 2 au carré, 4. 4 fois 6, 24. Et donc je vais avoir 24. Le moins, on ne s'en occupe pas, on l'a dit. Hein, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Mais il y a ce i carré qui va arriver. Oui, mais i au carré, i au carré, ça fait moins 1. Donc ça, en tout, ça va faire moins 24. Le terme suivant, donc 4 fois 2, 8. Le moins, donc on s'en est déjà occupé ici, donc il reste juste i au cube. Mais i au cube, c'est i au carré fois i. Et i au carré, ça fait moins 1. Donc moins par moins ici, ça va faire plus. Et il va juste rester 8i. Et enfin, le dernier terme, donc le moins, on s'en est déjà occupé. Il reste juste i à la puissance 4. Mais i à la puissance 4, c'est i carré fois i carré. I carré, c'est moins 1. Et moins 1 fois moins 1, et eh bien ça donne tout simplement 1. Il ne nous reste plus qu'à réduire, donc 16 et moins 24 moins 8, moins 8 plus 1, moins 7, et sur les i, il y a moins 32i plus 8i, donc ça fait moins 24i. Et donc là on retrouve la forme algébrique, on a bien développé 2 moins i à la puissance 4 à l'aide de la formule du bidôme de Newton. Voilà, j'espère que cette formule du binôme de Newton n'a plus de secret pour vous. Il ne nous reste plus qu'à vous entraîner. Je vous propose d'ailleurs l'exercice suivant. Il s'agit donc de développer en utilisant la formule du binôme et également notre triangle de Pascal. Vous trouverez la correction de cet exercice en vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.